Hey, salut tout le monde, c'est Carl. Bienvenue à Quand il fait noir. Et justement, là, il fait noir. Puis j'étais un petit peu en retard parce que ça me tentait de rester un petit peu plus longtemps au travail. Alors, je me lance comme ça sans filet avec vous pour commencer ma soirée d'astronomie. Alors, première chose que je vais faire pour commencer ma session avec Nina, c'est que je vais aller ouvrir EQ Mode pour connecter mon télescope. Alors, j'y vais de ce pas. Ok, on va mettre ma face dans l'autre coin, je crois bien. Alors, start. Après ça, je vais aller juste écrire EQ, puis mon toolbox il va apparaître. Ok, là je vais aller à Driver Setup parce que c'est la façon que j'aime le plus le faire. Et puis ici, je vais juste faire Find. Puis s'il trouve d'habitude, le restant va bien aller. Ok, Found sur Comcat. Excellent. Donc je vais faire Ascom Connect. Et puis là, j'ai ma monture qui est maintenant prête à travailler. Un petit peu. Là, j'ai plusieurs écrans. Puis là, ben, ça me donne un petit peu de misère en ce moment. Ok. Donc voilà. Je vais faire Unpark parce que. Voilà, ok, c'est ça que je veux. Maintenant, ce que je vais faire, je vais partir mon carte du ciel. J'aime bien avoir mon carte du ciel actif parce que ça me dit où mon télescope pointe. Puis en partant, je sais que si je ne suis pas sur la petite ours, là, j'ai un problème. Donc, je vais essayer à connecter. Et puis là, ici, simplement, tu vois, j'ai déjà mon EQ Mode ici. Alors, je vais faire connecter. Et mon télescope est sur l'étoile polaire. Alors, on est en business. J'aurais plus besoin de ça vraiment. Ensuite, je vais connecter mon PhD2 parce que je préfère le connecter avant. Alors, je vais juste faire tout connecter. Voilà, donc mon PhD2 fonctionne. Je vais juste partir des petites expositions, voir ce que ça dit. Excellent, j'ai des étoiles. Ensuite, on y va pour Nina. Donc, Nina, comme de raison, est sur mon autre écran, ici. Alors, Nina. Là, je vais y aller, je vais prendre une chance. Je vais faire Connect All, voir que ça va faire. Connect All Device, oui. OK. Télescope, filter wheel, caméra. Focuser, c'est toujours plus compliqué. Oh yes, tout est connecté du premier coup. Alors, alright. Ok, donc tu peux voir là, il fait. Comment est-ce qu'il fait? Il fait moins 20 avec la fan qui pointe sur mon sensor. J'étais à moins 30. J'ai même pas parti le cooler. Tiens, je vais le partir juste pour le fun. Puis tu vois que il reste à zéro, hein? Alors, maintenant, pour ma cible de ce soir. C'est ça que je voulais faire avant de commencer la vidéo, puis j'ai oublié. Alors, ce que je vais faire, là, je vais juste aller sur Stellarium vite fait. J'ai une bonne idée de ce que je veux faire, là. Je vais juste faire sûr que c'est pas trop complexe, là. Donc, moi, je vais travailler pour l'instant, en attendant que le casque de Thor se lève. Je vais travailler sur les nébuleuses des Tétors, le Tadpoles Nebula. Si je peux le trouver, de Tadpoles, ouais, c'est ça. Ok, donc en ce moment, les Tadpoles sont à l'est. Ok, ça va être parfait ça. La lune n'est pas encore levée. Puis pour moi en ce moment, Orion, il est trop bas en ce moment pour moi pour que je puisse prendre des expositions dessus tout de suite. Alors les Tadpoles, ça va être parfait. Ils sont pas mal proches du zénith. Alors on y va pour ça. Donc, moi, ma façon préférée de donner une séquence, c'est simplement de venir ici à Framing. Ensuite, je vais écrire IC410. Là, je touche à rien, j'attends que le petit menu apparaisse. Là, je clique dessus. Ça va me donner mon angle droit puis ma déclinaison. Là, je vais faire Load Image. Des fois, ça prend du temps, des fois, ça prend moins de temps. Si tu as... loader cette image-là récemment. On dirait que ton ordinateur la garde en mémoire.
Alors, OK, là, je vais juste faire adapter à l'écran. Une raison que je comprends pas, je reviens toujours à 0 degré. C'est fatigant parce que ma caméra est fixe à 90. Donc, je vais framer ça tout simplement comme ça ici. Quand la cible elle, rentre bien dans ton champ de. Dans ton champ d'exposition, ça va bien. Donc, OK, ça, j'aime ça. Là, maintenant, je vais faire Add Target to Sequence. Alors, Simple Sequencer. OK. Donc, là, j'ai ma cible. Là, je suis dans mon sequencer. Alors, Cool Camera, Unpark Mount, Meridian Flip, Warm Camera, quand que la session finit, puis Park Mount, c'est tout à on. Ensuite, Target Options. Je veux centrer ma cible et je veux aussi commencer le guidage une fois que le centrage est terminé. Ensuite, excusez-moi. Ah oui. Ensuite, je veux démarrer l'autofocus au début de la session en espérant que mon focuseur n'est pas complètement gelé. Et je veux qu'il continue. Je veux qu'il ajuste le focus à chaque 30 minutes, 40. Je vais le laisser comme ça. Je pense pas que la température va changer assez pour que je sois obligé de refocuser à toutes les 30 minutes. Mais clairement, si j'étais un soir d'été où on passe de 25 degrés à 15, mon télescope il changerait de taille. Il y a toutes sortes d'options ici pour le focus. Là, c'est à vous autres de voir qu'est-ce qui fonctionnerait mieux pour vous. Maintenant, je vais prendre des expositions de 200 secondes. Moi, je trouve que c'est un beau compromis, 200 secondes. Je préférerais prendre des 300, mais à 300, je finis par jeter plus de photos. Fait que je préfère en prendre plus de 200. Maintenant, je vais m'en prendre. Je vais commencer par 25, voir ça me dit quoi. Duration, 1h30. Mais je vais le mettre à 30, là. Puis là, je vais l'ajuster. Je veux vraiment passer là, tout le temps possible sur le casque de Thor. Alors, j'ajusterai ce chiffre ici en fonction. De comment vite là, Sirius là, va passer mes fils électriques dans ma cour. Donc, j'ai 30 expositions de 200 secondes de planifié. Ça va être avec le filtre HA. Ici, je vais mettre un dither à chaque 4 expositions. Puis, j'ai un gain de 200, offset de 35. Alors, c'est là que la magie se passe. Okay? Là, je pourrais aller à framing puis ajouter plein de cibles. Je vais probablement le faire plus tard, mais pour l'instant, je vais le garder comme ça pour les bienfaits du vidéo. Et puis, ensuite, là, ce que je vais faire, regardez comment est-ce que c'est compliqué. Play. OK? Donc là, mon télescope commence par se déplacer sur les nébuleuses du Tétard. IC 410. Ça prend quand même un petit peu de temps. Là, j'ai pas mon ah, mon téléphone est ici. Je pourrais regarder sur mon téléphone, ma petite caméra, voir, faire sûr que j'ai pas de fils qui sont coincés. Oh, téléphone n'a pas internet encore. Je vais juste me connecter au Wi-Fi. OK. Donc, je ne sais pas si on peut voir, mais il a fini de se déplacer. Alors, tout est beau. Là, il est en train de prendre une exposition de 12 secondes pour Plate Solve. OK. Donc, Plate Solve est un succès. Il va se repositionner, puis il va replate solver après. Donc, première fois dans la soirée comme ça, des fois il va le faire trois fois. Mais une fois que tu as déjà plein de solvé, si t'as rien qui a changé et que t'as pas passé d'un méridien à l'autre, là, d'habitude, il est capable de se remettre là, quand même assez vite. Donc là, moi j'ai demandé qu'il un temps de un settle time, là, excusez l'anglicisme, là, mais. Je veux juste qu'il continue à tracker pendant 15 secondes avant de prendre ma première exposition parce que souvent j'ai des étoiles allongées. Quand l'autre jour j'avais 5 secondes de temps, puis c'était pas assez. Donc, ah, tu vois, après seulement un ajustement,
on était directement sur la cible. Là, maintenant, PhD2 commence à guider. Je pense qu'il est en train de faire une calibration. Non, non, même pas. Il est directement commencé à guider. Alors, ça, c'est fantastique. Et puis, OK. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est l'autofocus parce que j'avais programmé l'autofocus au départ. OK. Donc d'habitude, ça va quand même assez bien. Sauf que là, dernièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé de contrôler un laptop avec TeamViewer à contrôler mon setup avec un câble USB 3.0. Ça fonctionne quand même assez bien, malgré que mon télescope se déconnecte. Tu vois, hier, il s'est déconnecté deux fois. Ça m'arrive jamais d'habitude. Mais, il aimait vraiment pas ça, le froid. C'était pas l'idéal. Tandis que là, ben, les seules choses qui sont trop froid, ce sont mes équipements. OK, donc ça, c'était bizarre. Comme point de focus. Sûrement que le prochain va être en plus bas, là. Des fois, ça fait ça. Oh boy, c'est qui vient de se passer là? Ouais, non, ça c'est pas normal. D'habitude, il va. Ah oui, je me souviens pourquoi. Ok. C'est parce que j'ai changé mon setting. Au lieu de le faire reculer de 5 pas, je l'ai fait reculer seulement de 2. Ça l'expliquerait là pourquoi. OK. Bon, je trouvais ça trop long. Je trouvais ça trop long. Là. Ça prenait quasiment 6-7 minutes avant de commencer à travailler. Là. Donc là, tu vois, l'autofocus est terminé. Et puis, mon exposition est commencée. Donc, si je vais ici à Imaging. Là, on a l'exposition de mon autofocus. Donc, on a un aperçu de ce que ça donne 8 secondes. Et puis là, ben, il ne me reste plus qu'à attendre un autre 3 minutes pour avoir ma première exposition. Puis, that's it, gang. C'est ça. C'est ça, partir une séquence avec Nina. C'est de la magie. Ça fonctionne super bien. La plupart du temps, quand j'ai des problèmes avec, c'est de ma faute ou de la faute de mon équipement. Super solide, super facile à travailler avec. Alors, je vais simplement attendre un petit peu et puis je vais vous montrer ce que ça donne après avec une exposition de complété. Et puis voilà pour mon petit tutoriel rapide sur comment démarrer une soirée d'astronomie avec Nina et... le Framing Assistant, l'Autofocus, le Plate Solving, et c'est pas mal ça qui est ça. Cette pause publicitaire est une présentation du sommaire du temps d'exposition d'astrophotographie de Carl. Tu cherches un endroit où cataloguer ton temps d'exposition? Tu cherches un endroit rapide pour avoir une idée de combien de temps d'exposition tu as sur chaque filtre? Le sommaire du temps d'exposition d'astrophotographie de Carl, l'essayer, c'est l'adopter. Alright, alors j'ai fini ma première exposition de 3 minutes 20 ou 200 secondes, alors on y va. Alors c'est ça que ça donne, ok? Ça c'est... Tu vois, mon guidage n'était pas extraordinaire, mes étoiles ont de l'air... On a de l'air sharp, ma nouvelle, peut-être reculer de, je vais peut-être mettre mon setting à reculer de 3 pas. Tiens, regarde, ici là, si tu fais juste aller à option, autofocus, tu vois, ici, ok, j'étais déjà à 3. Je vais le laisser à 3, peut-être 4, mais, pour revenir à mon image, ça, c'est 200 secondes en HA, filtre Astrodon, 3 nanomètres. On peut vraiment voir les tadpoles ici. Et puis, mes étoiles, ils ont l'air quand même assez têtes. Fait que, that's it, gang! Je vais rouler ça.
Je vais rouler ça pour une bonne heure et demie, 2 heures, et puis après ça, ben, on passe au casque de Thor. Alors, c'est tout pour cette vidéo. C'était vraiment une petite quickie. Je voulais vous montrer comment je commençais ma séquence d'astrophotographie pour la nuit. Alors, on se revoit plus tard, tout le monde, et n'oubliez pas de regarder en haut, car il fait noir.